Cet ouvrage qu'on a intitulé « Les lieux de mémoire de la Corse médiévale », c'est un ouvrage qui a plusieurs ambitions, qui répond à plusieurs nécessités. D'abord, peut-être faire connaître le patrimoine médiéval de la Corse, un patrimoine qui est riche, qui est très présent dans les paysages de l'île, qui a laissé des traces, mais des traces qui demeurent difficiles à voir pour un œil non exercé. Donc notre ambition, c'était de donner à voir ces traces médiévales qu'on trouve partout sur le territoire insulaire, et expliciter ces traces grâce aux travaux que nous avons menés dans les archives et puis pour nos collègues archéologues sur le territoire. Ce qui est le plus visible, je crois, c'est tout ce réseau d'églises romanes qu'on trouve partout sur le territoire et qui ont été mieux conservées que les autres traces de bâtis du Moyen-Âge. Il y avait aussi également beaucoup de châteaux dans la Corse médiévale, et ces traces-là ont été détruites à la fin du Moyen-Âge. Au moment de... Alors, il y a eu deux temps de destruction des châteaux, la grande révolte populaire du milieu du XIVe siècle, et puis dans le sud de l'île, les châteaux avaient été reconstruits dans la seconde moitié du XIVe siècle et ont été définitivement détruits avec la victoire génoise à la fin du XVe siècle. Donc ces sites, ce sont des pitons rocheux qui sont assez caractéristiques du paysage médiéval de l'île, mais qui sont à l'état de ruine et donc difficiles à valoriser pour le grand public. À côté de ces traces matérielles, le Moyen-Âge a laissé assez peu d'archives locales. C'est-à-dire qu'en même temps que ces châteaux ont été détruits probablement les documents, les quelques documents qui avaient été produits par les seigneurs locaux. Donc la difficulté de l'écriture de l'histoire médiévale de la Corse réside dans le fait que les archives sont dispersées hors de l'île. Et on ne peut comprendre l'île qu'en l'étudiant de l'extérieur, donc en allant à Pise, en allant à Gênes, en allant à Rome, en allant à Barcelone, et même pour les aspects commerciaux, en allant dans les villes portuaires méditerranéennes, notamment à Marseille et puis en Sardaigne, puisqu'il y avait de très forts échanges entre les deux îles. Il reste également un texte, qui est un texte à la fois littéraire et historique. C'est la chronique, ce qu'on appelle la chronique médiévale corse, la chronique de Giovanni della Grosse, donc un texte du XVe siècle qui a été beaucoup critiqué par les historiens positivistes parce que justement cette histoire de la Corse de Giovanni della Grosse est une histoire qui commence par le mythe et qui associe en fait un certain nombre de légendes. Mais en réalité, aujourd'hui, avec l'apport de l'anthropologie historique, on peut considérer que finalement ce fond légendaire est presque ce qu'il y a de plus intéressant dans la chronique de Giovanni della Grosse, puisque c'est une façon d'accéder justement à tout un imaginaire médiéval qui s'est construit dès le XVe siècle et dont nous sommes finalement les lointains héritiers, dont la tradition orale actuelle est un héritage. Donc c'est aussi peut-être dans ce qu'il reste du Moyen-Âge, il y a aussi cette forte emprise du mythe, de la légende, qu'on retrouve aujourd'hui dans les toponymes de l'île, et qui, jusque dans les années 60, on trouverait encore des informateurs pour raconter toutes les histoires, toutes ces légendes, tous ces récits épiques qui étaient liés à ces toponymes. Aujourd'hui, malheureusement, donc ces informateurs sont de moins en moins nombreux, et donc c'est vraiment un patrimoine qui est rentré dans l'histoire, c'est-à-dire qui devient un objet d'histoire et d'écriture.